Je mets les cours de la semaine dernière en ligne aussi. Tiens, je vais en profiter pour modifier un truc sur Twitch. Twitch. Alors, je vais changer ça et je vais mettre la catégorie A. Ok, voilà. Allez, bonjour tout le monde. Ah ouais, c'est pas à jour le truc. Bonjour tout le monde. Donc, nous voilà pour une nouvelle session, pour une nouvelle semaine, avec une nouvelle session Twitch et Facebook et YouTube et sur mon site internet aussi. Donc, voilà. Donc, le but, ça va être aujourd'hui de dessiner des personnages assis et allongés. D'accord? Donc, toujours un homme, une femme, assis et allongés. Alors, juste le temps pour moi d'enlever ça. Voilà. Et de tourner la feuille en mode paysage, d'accord? Et pas en mode portrait. Donc, nous allons nous amuser avec ça. Alors, juste le temps pour moi de séparer mon deuxième écran en deux. Voilà. Hop. Alors, nous allons commencer par faire une femme assise. Alors, j'en avais vu certaines qui étaient pas mal. Bon, là, c'est allongé. Voilà, donc ça c'était sympa. C'est un peu compliqué. Alors, je vais voir si je ne trouve pas des plus simples. Mais non, ça va aller. Ouais, non, j'aime pas celle-là. Alors, je regarde un petit peu juste ce qu'il y a comme pose, hein, vu que j'en ai quand même beaucoup. J'ai beaucoup de références. Je vais juste essayer de trouver une pose qui ne soit pas trop subjective. Ouais, c'est pas gagné. Alors, hop. Tac. Non. Ah bah si, voilà, on va faire celle-là. Alors, on va commencer tout de suite par une pose assise de femme. Donc c'est assise par terre. D'accord? Donc voilà. Alors, on va commencer par faire la tête. C'est une tête légèrement de trois quarts, donc pas besoin de laisser de place au-dessus, hein, il n'y a rien de plus haut que la tête. D'accord? Mais vous ne collez pas trop ni à droite ni à gauche, étant donné que ça dépasse un peu à droite et à gauche. Voilà. Ah, excusez-moi, mais depuis quelques jours, j'ai le poignet et la main droite qui est endolorie et j'ai mal aux articulations. Alors, enfin, c'est pas que j'ai mal, c'est qu'elles sont un peu raides. Alors, tac, et donc on va faire le coup. Voilà. Alors, quand on a une pose assise, on ne peut pas prendre de référent. D'accord? On ne peut pas dire c'est 7 fois la tête, 6 fois la tête, etc. On ne peut même pas prendre comme référence la longueur des jambes ou la longueur des bras, surtout si les bras sont pliés et que les jambes sont croisées. Donc, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, nous allons prendre d'autres comparaisons, hein, d'autres motifs de comparaison, hein. Donc, on va voir. Hein.
bizarre. Alors, pour prendre d'autres motifs de comparaison, déjà, nous allons faire les épaules. D'accord ? Donc, les épaules tombent vers l'avant. Donc, je vais faire un arc de cercle. Et je vais poser l'axe de la colonne vertébrale. Ah ! Excusez-moi, petit problème. Voilà. Je vais poser l'axe de la colonne vertébrale. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle va avoir le torse vers l'avant et ça va avoir tendance à aller vers l'arrière. Alors, mon dessin est vraiment trop grand. Voilà, ça sera mieux. Et je vais simplement faire l'axe de mes hanches qui est bien droit pour une fois. Voilà. OK ? Voilà. Alors, je vais commencer direct par faire les épaules. Et je vais faire les articulations des épaules. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, j'ai bien mes épaules, hein, je les ai bien faites tombantes. Alors, attendez, hop. Je les ai bien faites tombantes et là, je vais carrément faire ça comme ça. En fait, on a les épaules vers l'avant. On a les épaules vers l'avant. Et on va, du coup, maintenant pouvoir poser le torse. Alors, c'est une femme, hein, mais comme j'ai dit, généralement, on pose le torse, on posera la poitrine après. On va poser le dos avec le ventre. Hop, on pose le ventre. Alors pour montrer que le corps va vers l'avant, il faut affiner un tout petit peu plus la taille par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va l'affiner encore un petit peu plus, la taille. Hop. Voilà. Et on arrondit bien le trait de séparation de la taille. Et là, je vais faire les hanches. Bon, j'ai peut-être un peu trop arrondi. Voilà. Je vais faire les hanches. Et je vais marquer l'articulation de la cuisse, donc c'est-à-dire le point de départ de la cuisse. Alors, il y a une jambe qui est relevée comme ça, d'accord ? Et il y a une jambe qui est comme ça. OK ? Donc, c'est pour ça que ce cercle-là que je suis en train de dessiner est plus haut que celui-là. OK ? Évidemment, il y a une partie du corps qu'on ne verra pas parce qu'il y a les bras, il y a les jambes et tout, mais il faut, dans la phase de construction, qu'on les dessine quand même pour éviter les erreurs de placement des hanches. C'est une erreur assez courante que je vois. Je vais vous montrer là. C'est quand on dessine, des fois, on va dessiner un personnage, par exemple, qui a… donc là, on a sa poitrine… Hop, on a son ventre. Ah, j'ai mon chat qui vient m'embêter. On a une hanche qui est là. Et en fait, on a une jambe qui passe devant, par exemple. On a la jambe qui va passer devant. Le problème, c'est se situer où se situe la deuxième jambe. Si je ne trace pas la hanche, salut. Si je ne trace pas la hanche, je risque d'avoir un petit souci. Donc là, la jambe, elle est posée correctement. Mais des fois, il peut arriver qu'en dessin, si on ne dessine pas la hanche avant,
On me place, par exemple, la hanche là. Et là, si je raccroche, bah en fait, la fille, vous avez complètement oublié la hanche. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut dessiner même les parties qui ne se voient pas dans la face croquis pour éviter les erreurs de construction. D'accord? Donc, voilà. Alors, une fois qu'on en est là, on va poser les traits pour les jambes et je poserai les bras. Comme elles sont posées dessus, les bras vont être posés en conséquence par rapport aux jambes. Donc, je vais simplement faire un trait. Hop. Donc là, j'ai la cuisse. D'accord? Je vais poser le tibia. Voilà. Et là, je peux gommer tout ce qui est à l'intérieur de la jambe. Donc, vous pouvez gommer avec votre crayon papier tout ce qui est à l'intérieur de la jambe. Voilà. Pour que ça soit un tout petit peu plus propre, hein, pour que vous puissiez voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vais remonter un peu la cheville, elle est un peu grande, la cheville. Voilà. D'accord? Et là, je vais poser le pied. Alors, j'ai posé le pied, il va y avoir une petite particularité, ce pied. C'est qu'en fait, ça va être une chaussure à talons. Voilà, parce que ça, on ne les avait pas encore faites, les chaussures à talons. Donc là, je vais faire une chaussure à talons. D'accord? Une fois que j'ai posé ça, maintenant, il va falloir que je pose l'autre jambe. Donc, l'autre jambe, c'est simple. Je vais faire le trait. Hop. Voilà. Voilà pour savoir comment c'est. D'accord? Et j'ai plus qu'à tracer le volume. Alors, je sais que ma cuisse, elle arrive là. D'accord, je sais que ma cuisse, quand j'ai dessiné mes hanches, ma cuisse, elle arrivait là. Donc, j'ai plus qu'à la dessiner. Voilà. Bon, moi, je suis sûre de ne pas avoir d'erreur d'anatomie. Hein, parce que des fois, certains auront peut-être tendance à me la mettre trop haute, là. Et on aura oublié les hanches. En dessin, c'est une partie du corps qu'on a tendance à oublier de manière assez fréquente. Pardon. Attention, oubliez les hanches, surtout chez les filles. Hein. Et il n'y a pas besoin d'être dessinateur amateur, hein. Même chez les professionnels, on a tendance à oublier cette partie-là du corps et on rattache la cuisse directement à la taille. Je suis plein à la fille. Alors, je vais relever un tout petit peu ça. Par contre, je vais corriger un tout petit peu, un tout petit truc. Voilà. Hop. Je fais mon mollet. Voilà, je fais mon mollet. Et là, je vais faire simplement le pied. Alors, simplement. Excusez-moi, ce n'est pas forcément si simple que ça. Voilà, je vais faire le pied. Et donc, je vais gommer tout ce qui dépasse. Voilà. Pour que ça soit un peu plus logique. Voilà. D'accord? Alors, je vais peut-être le faire un peu plus court, mais c'est vrai que je l'ai fait un peu long. Voilà, c'est bon. OK? Et donc, une fois qu'on en est là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser nos bras. Alors, on va en poser un qui est devant, comme ça. D'accord? Et un autre, en fait, qui va tenir
Donc, on va voir la main qui est là. Et elle va tenir. Le trait ne va pas. Voilà. Et qui va tenir l'avant, l'autre bras. OK ? Donc là, on a la main. Donc, on va avoir le poignet et on va avoir la main qui va être là. Ah là, ça commence à être compliqué. Hein. Ça commence à être compliqué parce que ça va demander beaucoup de couches. D'accord ? Et donc, ça va demander de gommer beaucoup. Et ça va surtout demander d'avoir la main légère quand on dessine. Certains d'entre vous, certains de mes élèves ont la main un peu lourde quand ils dessinent. Et du coup, ils ont du mal à gommer. Alors, donc il faut juste apprendre à avoir la main un peu plus légère. Alors ça vient au fur et à mesure du dessin. Hein. Au fur et à mesure du dessin, on est un peu plus léger hein, jusqu'à devenir extrêmement léger dans ce coup de crayon. Et là, bah, je vais faire d'abord le volume de ce bras. Donc, je sais que je vais gommer là. Donc, je vais gommer un peu au-dessus. Je vais gommer un peu en dessous. Voilà. Et là, je vais faire mon bras. Alors, je vais avancer mon bras parce que je me rends compte que mon avant-bras est vachement grand. Donc, ça va plutôt être comme ça. Voilà, ça va plutôt être comme ça. Ça sera mieux. Alors, des fois, il n'y a que quand on fait le volume qu'on se rend compte que on n'est pas forcément bon sur les volumes. Hein. Hop. Voilà. D'accord. Et l'autre bras. Alors, ça va être vite vu. Voilà. Voilà. Alors, donc je tiens à signaler que pour les je tiens à signaler que c'est un cours qui est sérieux, hein, qui est fait pour des élèves qui veulent vraiment apprendre. Donc, les petites blagues comme ça, ça va 2 secondes, s'il vous plaît, sur le chat. OK ? Voilà. Hein ? Alors. Donc là, hop, ensuite, je vais faire mon bras. Hop. Et voilà. Et je gomme à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à faire le dernier élément. Qui est là, c'est de poser la poitrine. Alors, en sachant qu'avec les vêtements, on ne la verra quasiment pas. Hein, mais maintenant qu'on a posé tous les éléments, on peut la dessiner. Voilà. Et là, je vais faire la clavicule. Voilà. Donc, je vais vous laisser... faire ce dessin-là, d'accord hein, donc, repérez bien hein, où arrive le genou, par exemple, où arrivent les bras, les coudes, les poignets, où arrivent les chevilles, pour que vous puissiez après comparer sur votre dessin et que vous puissiez corriger. Et ensuite, on va la terminer en l'habillant, d'accord, et en lui créant un peu de volume. Et là, on verra notamment les chaussures à talons, etc., hein, des choses qu'on n'avait pas encore vues. Je vais peut-être lui mettre un chapeau aussi, tiens. Voilà, OK ? Allez, je vous laisse 2 petites minutes.
Hop. Oh la vache, c'était il y a un moment ça. Voilà. Alors, je sais pas du tout comment je vais l'habiller. Ah, évidemment, ce ne sera pas une jupe, hein. Sinon, il y aura un petit problème. Si je mettais un petit short, ouais, ça va être un peu compliqué aussi. On ouais, remarque pantalon aussi. Petit short avec des talons, un peu bizarre, oui. Pom 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 pom. Là, faut que je vois ce que je vais faire comme chaussure à talons. Des petits nu-pieds, ça peut être pas mal ça. Ou alors ça. Ouais, j'ai une petite idée. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer du coup. On va l'habiller. Donc déjà, je vais hop estomper un tout petit peu, baisser l'opacité. Je vais lui faire un petit visage. Donc je vais lui dessiner un petit visage. Hop, voilà. Tac. On va faire la fille qui est plutôt contente. Hein. Tac. Voilà, on va lui diminuer un peu la taille du nez. Et on va lui faire un beau sourire. Alors, on peut grossir les yeux, on peut lui mettre des cils aussi. Hein. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de faire aussi complexe que moi. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Et puis, je vais lui mettre donc un départ d'oreille. Je peux lui mettre des boucles d'oreilles si j'ai envie. Hein. Donc, hop, un petit rond. Un petit anneau, un deuxième anneau, un peu ce que j'ai moi sur mes oreilles. Et je vais simplement lui mettre un chapeau. Alors, pour mettre un chapeau, il faut qu'on détermine l'implantation du chapeau là-haut. Donc, on va déterminer l'implantation du chapeau en faisant un petit trait arrondi autour du front et jusqu'au-dessus des oreilles. Et là, je peux dessiner le front. D'accord ? Alors, tout va dépendre du style de chapeau. Hein. Évidemment, on a la casquette hein, qui va être comme ça. Hop, hein, on a la casquette. Bon, là, j'ai fait une immense visière.
Hein, hop, hein. Bon, j'ai fait n'importe quoi. On a la casquette, d'accord. Mais on a aussi le chapeau. Ben, on a le chapeau melon. Hein, on a le chapeau claque. Hein, hop, hein, le chapeau claque, tac. Hein. Voilà, on a le chapeau claque. On a le chapeau melon. Hop, hein, voilà, hein, comme Marty McFly dans le 3. Et on a le chapeau très féminin. Voilà, d'accord, hein, avec une grande couverture. Donc, on a en fait différents types de chapeaux. Moi, je vais plutôt partir sur le chapeau ultra féminin. Ok, alors évidemment, j'avais dit qu'on pouvait se mettre là-haut, mais on va tricher un peu. Bon, alors, on va laisser un peu plus de place. Et on va mettre le chapeau féminin. Chapeau femme. Alors, pour une question de précision et de réussite, je vais essayer de le faire quand même à partir d'une photo pour ne pas me planter. Ni au niveau de sa forme, ni au niveau de son look. Ah, je pourrais faire un chapeau, chapeau de paille, non. Ouais, mais non, pas un chapeau. Ouais, je pourrais faire ça, ça peut être pas mal. Essayer de trouver un chapeau qui n'est pas trop moche. Ouais, moi aussi on va faire ça. Tiens, on va faire ce genre-là. Alors, on va faire un chapeau qui est plutôt large autour. Donc, alors il faut savoir que c'est un rond, d'accord, hein, c'est un cercle, d'accord, hein, donc c'est un cercle. Et il faut que vous puissiez faire ce cercle correctement. Donc, la première chose à faire, c'est avant d'attaquer la forme globale du chapeau, ça va être de dessiner le cercle. Voilà. Hop. Et surtout de continuer même au niveau du visage, pour voir qu'on est à peu près juste. D'accord? Hop. Voilà. OK? Alors, pourquoi de cette forme-là et dans cette direction-là? C'est parce qu'en fait, on est vu du dessous, hein, et qu'elle a la tête légèrement relevée. Et une fois qu'on a fait ça, un chapeau, quand il est aussi large que ça, il n'est pas rigide tout autour. Donc, il va avoir tendance à faire des vagues. Donc, on va s'amuser à les faire. Donc, je vais prendre là-haut et là, je vais pouvoir appuyer et je vais m'amuser à écraser cette partie-là. Et à écraser aussi cette partie-là comme une sorte de haricot. Voilà, et très là-haut, j'en ai plus besoin. Là, j'en ai plus besoin, ce sera là non plus. Ok. Pour donner une notion de volume, je vais simplement, pas ce point-là non plus, épaissir le trait qui est de ce côté-là pour donner une notion de volume. Voilà. Hop, il y a une épaisseur sur ce chapeau. Ok. Ensuite, je vais simplement faire là le contour et je vais pouvoir lui mettre, bon, en fin de compte, on ne va pas voir les cheveux, en fin de compte, on ne va pas voir les oreilles, et je vais pouvoir lui mettre une jolie coupe de cheveux, hop, voilà. Hop, et attention, la coupe de cheveux derrière le crâne. Vous avez vu, il y a le crâne qui est rouge là. Donc, ça veut dire que les cheveux doivent arriver derrière le crâne.
OK. Et là, bah, pareil. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on a les cheveux. Donc, on a des petites mèches hein, qui vont à droite et à gauche. Tac. Voilà. D'accord? Voilà, comme ça. Ok. Alors, je vais juste faire un truc. Tiens. Je l'ai carrément enlevé. Ah bah oui. Pas grave, je vais remettre. Hop. Tac. D'accord, donc une fois qu'on en est là, il ne manque plus que le haut, hein, parce que vous avez vu, vous avez le crâne. Donc, ça veut dire qu'il y a un haut de chapeau qui se voit. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une lanière en tissu que je vais assombrir. Voilà. Et là, je vais rajouter le haut de mon chapeau. Alors, la logique voudrait que le haut du chapeau... Voilà, haut du chapeau. Voilà. D'accord? Alors, vous avez vu hein, la largeur et vous avez vu là. D'accord? Donc, il faut faire extrêmement attention. Hein, le haut du chapeau doit être plus large que le crâne. Sinon, ça va faire bizarre. Hein. Parce que moi, j'en ai vu plein hein, des personnes qui me faisaient un visage comme ça. Donc, on a un visage de face. OK. Ils me plantent le chapeau. D'accord. Ils m'ont planté l'avant du chapeau. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ils me plantent ça là-haut. Alors, et quand je leur dis, bah voilà le crâne. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? Allez, on va pouvoir l'habiller. Alors, elle va avoir un t-shirt. Col rond. D'accord. Et là, on va mettre couture basse. Alors, c'est même pas couture basse, ça va être un t-shirt avec sans manches. Voilà, ou des manches très très courtes. Voilà, alors vous avez vu les manches, hein? Et surtout, vous avez vu les bords des manches? Voilà, d'accord? Et on va faire ce bras-là parce qu'il est devant. Alors là, on ne la fait pas non plus super musclée, on la fait normale.
Donc là, je dessine le coude. Et là, je vais faire le reste. Donc, hop, donc je commence par le poignet. Je fais l'arrondi de l'avant-bras. Et je fais la partie supérieure de l'avant-bras. Et j'arrondis bien au niveau de l'articulation du coude. D'accord ? Et là, j'ai plus qu'à faire la main. Alors, la main, évidemment, c'est pas bien compliqué, étant donné que on a déjà fait une grosse partie. D'accord? Donc, on pose le petit doigt. Puis là, hop. D'accord? Ok, pour l'instant. On va faire l'autre main, l'autre bras, pardon. Alors, on essaie de garder à peu près la même épaisseur de bras. Donc, je vais épaissir un tout petit peu plus ce bras-là. Et pour montrer que ça va vers l'avant, hop, je peux aussi très bien dessiner un petit accessoire. Par exemple, une série de bracelets qui vont nous donner une indication sur l'orientation du bras et nous aider en renforçant cette idée de raccourci. D'accord? Ok? Et là, il n'y a plus qu'à faire la main. Le pouce. Index. Majeur. Annulaire. Auriculaire.
Voilà, d'accord. Et une fois qu'on en est là, bah maintenant, il faut faire le volume, le reste du t-shirt, etc. D'accord. Donc, on va d'abord faire les jambes et ensuite, une fois qu'on aura fait les jambes et tout, on pourra terminer par cette petite partie-là. OK. Donc, on avait dit qu'on ferait un short. OK. Donc, je vais faire, hop, le côté du short. Je ne m'occupe pas trop de cette partie-là parce que comme il va y avoir la chaussure. Hop, et là, le short, je vais l'arrêter là. Alors, attention à l'arrondi que vous allez mettre là. D'accord? La partie, le point le plus bas de l'arrondi doit être le long de ma ligne là que je viens de tracer. OK? Qui représente en fait le milieu de l'arrière de la cuisse. Le milieu derrière la cuisse, donc c'est la partie où l'arrondi est le plus bas. Voilà. Les filles, pensez à un collant. Certains collants ont une couture à cet endroit-là, au milieu, à l'arrière de la jambe. Bah, pensez à ça. C'est un short avec un ourlet. Là, je dessine le reste de la jambe. Voilà. Et là, je vais pouvoir dessiner le pied avec la chaussure. Alors, je sais ce que je vais faire. Donc, je commence. Je fais une grosse lanière. Je vais faire la semelle. Et là, alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le petit doigt de pied. Voilà. Et là, on va faire un gros talon. D'accord? Donc voilà. Là, je vais faire mieux que ça, les doigts de pied quand même, parce qu'ils sont moches. Voilà.
D'accord? Ah, maintenant, il reste l'autre jambe à faire. Alors, l'ourlet, hop. Ensuite, la jambe. Le mollet. Tibia. Et là, on refait la deuxième chaussure. Voilà, et on va simplement faire le talon. On essaie de garder à peu près le même talon au niveau de l'épaisseur. Voilà. D'accord? Voilà. Et il ne restera plus qu'à faire ça. Alors là, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de suivre ce qu'on avait dessiné. Hop, et de faire des plis. Et là, je vais faire le t-shirt. Donc, c'est pour ça que j'épaissis un peu. Et je finis. En faisant des plis au niveau des aisselles. Hop. En faisant quelques plis à droite et à gauche. Voilà. Et là, on a terminé notre fille. D'accord? Donc, je vais vous laisser deux petites minutes le temps de terminer ça. Puis ensuite, on va passer au garçon.
Allez. Donc, je vais juste, hop, grouper ça. Tac. Allez, cette fois-ci, nous allons faire un garçon. Et le garçon, il est allongé, tête devant, jambe derrière. Et du coup, il va prendre à peu près toute la longueur de ma feuille. Alors là, il va y avoir un raccourci, hein, évidemment. Donc, il va falloir réussir à gérer ça correctement. Petit défi pour tout le monde. Alors, première chose à faire, ça va être de faire la tête. Pourquoi ça marche? Ah oui, logique. Voilà. Alors, un peu moins près du bord. Voilà, parce que j'ai un peu peur que ça ne rentre pas. Et là, je vais simplement faire le visage. Voilà. Vous avez vu, c'est un peu penché, hein? Voilà, avec le cou. C'est un peu penché, pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir la main sur le. Enfin, le visage surposé sur la main. OK? Y a les épaules qui sont dans cet axe-là. Le ventre qui est dans cet axe-là. D'accord? Les fesses qui sont là. Et les jambes qui vont être ces fameux, d'accord, avec les bras, un bras qui va être là, comme ça. L'autre bras. Avec la main. OK? Là, je me dis, c'est bon, c'est juste. L'agrandir un peu. Je peux l'agrandir encore un peu. D'accord? Alors, la grande difficulté avec ce genre de pose, c'est la gestion notamment des fesses, hein, la gestion du tronc, hein, au niveau du torse, du ventre et la gestion des raccourcis des jambes. Cette pose, je l'avais déjà faite, mais pour une fille et de l'autre côté. D'accord? Alors, première chose à faire, ça va être de poser. Donc, j'ai posé mon axe, ça va être de commencer à poser les épaules. Pareil que pour la fille, même si ça ne se voit pas, on dessine. Quitte à effacer après. Je dessine le torse. Alors vous allez voir, je vais dessiner sans les bras pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de comment c'est fait. Et je dessinerai les bras après. Voilà. Donc là, on a le torse. On a le ventre. Et là, en fait, on a le sol qui est là. D'accord? On a le sol qui est par là. OK? Et notre perspective est comme ça. D'accord? Ça peut vous donner une indication. On a le ventre qui est là. On a le dos qui est là. Et on a la taille, elle est là. Et à partir de là, vous avez vu la taille là, là-haut? Elle passe au-dessus du dos. Je
Vous faire l'autre côté, comme ça vous allez vous rendre compte de quelque chose. Voilà, d'accord? À partir de là, eh ben, on va faire les fesses et on va faire les jambes. On fera les bras en dernier. Alors, on commence. Hop. Voilà. Là, c'est la gaine culotte. Et les fesses. Alors là, c'est la grosse problématique qu'on a quand vous dessinez. C'est que les fesses, en fait, elles commencent là. D'accord? Elles commencent là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les fesses, elles sont là. Voilà. Et c'est le gros problème que vous avez quand vous dessinez ce genre de pose. C'est pour ça que vous ne les dessinez jamais. C'est-à-dire que vous faites une pose allongée, c'est de profil. Donc, voilà. Et il faut penser qu'il y a du volume, d'accord? Que c'est en trois dimensions, donc il faut imaginer ce qu'il y a derrière. D'accord? Ensuite, le reste, bah, ce n'est pas bien compliqué. On a une jambe. Alors évidemment, j'ai fait ça vachement long, hein. Je n'avais pas calculé. Hein. Voilà. D'accord? Alors, c'est la différence de taille entre devant et derrière qui vont donner la puissance en fait du 3 quarts et des raccourcis. Ensuite, on a une jambe qui est là. Avec un pied. D'accord? Alors évidemment, je vais effacer la moitié parce qu'en fait, il y a l'autre jambe qui passe devant. Et la difficulté, c'est de savoir où est l'autre jambe. Alors, on a les fesses qui sont là. Donc, en fait, l'autre jambe, elle est par là. Donc, elle trace sa ligne comme ça, parallèle. Et hop, là, on a le genou. Et en fait, la jambe, elle commence là. Et donc, en fait, la cheville est plus basse. On va la faire un peu plus grosse, la jambe. Voilà. D'accord? Ah, évidemment, ça fait bizarre sans les bras. Hein, j'en conviens. C'est super bizarre sans les bras. On trace un bras. Alors, le coude doit toujours être devant. D'accord? Donc, il ne doit pas être plus haut que le ventre. Il doit être plus bas. Le coude.
Et attention, le coude de l'autre bras doit être plus devant que celui-là. D'accord? Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire le poignet parce que je sais que ma main, elle est comme ça. Je sais que mon coude, je vais le faire arriver par là. Il n'y a plus qu'à relier. Et à relier le bras. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à l'habiller. Alors, évidemment, il manque juste un truc. Voilà. D'accord? Donc, je vais vous laisser terminer ça. D'accord? Ah, je vais peut-être remonter un peu. Ah, je vais remonter un peu. Et pareil, là, je vais remonter un petit peu. Oh, c'est juste histoire d'être super précis, hein. Voilà. 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 Donc, je vais vous laisser terminer ça. D'accord, hein, donc pareil que pour moi, comparez bien les éléments les uns par rapport aux autres et on va l'habiller, on va l'habiller. Alors, ça sera une tenue classique, hein, sweat et jean pour surtout le sweat. L'avantage, c'est que on va pouvoir bien faire les plis à cet endroit-là pour montrer le mouvement. D'accord. Hop. Et je vous présente, et évidemment pour ceux et celles, wow, ceux et celles qui ne connaissent pas, voilà, qui a fait miaou, non, tu ne veux pas faire miaou, où t'as les traîner, où tu sens le savon, je suis cachée, alors maintenant votre prof c'est le chat, voilà, miaou. Allez, au revoir ma puce. Hop là. Alors, faut bien rigoler hein, quand même. Sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Faut bien, bien rigoler. Allez, on va pouvoir l'habiller. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va... J'ai une idée.
On va le custom un peu. Et vous ne pouvez pas voir mon deuxième écran, mais j'ai une petite idée. Alors, c'est un peu casse-bon, c'est un peu casse-figure ce que je vais faire. Voilà, je l'ai en entier, c'est cool. Alors, c'est un peu casse-figure ce que je vais faire, mais on va essayer. Alors, tac, donc, hop. Bien l'avoir en grand. Voilà, c'est. Alors, ta di la di la di la la di la 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 la. Ah, c'est du total impro. Alors, évidemment, j'ai un modèle pour m'aider parce que je suis pas la spécialiste, hein. C'est-à-dire que j'adore créer des personnages, les reproduire de mémoire quand je lis ni le manga, ni que je regarde ni l'animé, mais que je connais juste parce que tu es obligé de connaître. Si tu connais pas, c'est que tu as vécu dans une grotte. Surtout si tu es fan de manga. Évidemment, je vais pas. Vous allez voir que je vais faire assez peu de trucs et vous allez tout de suite le reconnaître. Que ça, je fais vraiment une version résumée, quoi. Évidemment, je vais rajouter ça et hop, vous allez tout de suite comprendre. Hop. Oh, petit craquage. Oh, parce que c'est rigolo. C'est bien de craquer un peu de temps en temps. Hop là. Ah, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire même que moi. Hein. Je ne vais pas faire non plus tous les détails. Sinon, on n'a pas fini. Voilà. Alors, tac. Alors, normalement, la coupe de cheveux, c'est ça. Donc, alors, je vais faire un arrondi là-haut pour ne pas me planter. Voilà. Bon, normalement, hein, à ce niveau-là, je ne me plante pas trop. Évidemment, comme je dessine ça en 2 secondes, du coup, il ressemble pas vraiment. Ouais, je m'en fous. D'ailleurs, c'est n'a rien à voir avec mon style. C'est vraiment avec n'importe quoi, moi. Voilà, hop, tac. Alors, c'est plutôt comme ça. Et puis là, il en a encore d'autres. Hop, puis là, normalement, il a des mèches qui font comme ça. Et ça, c'est un poil plus bas.
Voilà, on va lire ça comme ça. Hein? Hein? Voilà, vite fait. Hein? Donc, une fois qu'on en est là, bah, du coup, on va faire le col. Évidemment, on va l'habiller pareil. Hein? Genre, c'est pas drôle. Donc là, hop, hop, et puis là, je vais faire des bourrelets pour montrer que c'est un truc qui est un peu matelassé. Avec la fermeture éclair ici, et puis là. Voilà, d'accord, on va commencer par là. Ensuite, bah, on va lui faire les mains. Parce que il y a le. Alors évidemment, je vais effacer un peu la joue qui est là. Alors, on a une première main qui. On a, pardon, le pouce qui est là. On a, hop, la main qui est là. Et un doigt. Deuxième doigt. Et là, en fait, le quatrième doigt se voit quasiment pas. D'accord? Et je vais simplement regarder. Comment est la tenue, en fait, de notre petit Naruto? Alors, il a sa manche qui est là. Donc, comme le bras est surélevé, la manche a tendance à tomber, vu qu'il a une manche relativement large. D'accord? Il y a mon héros qui s'est custom. Bon. On fait des vagues pour montrer qu'il y a un peu de volume. Et on épaissit un peu parce que ce n'est pas le tissu le plus léger qui soit. D'accord? C'est un tissu un peu épais quand même. On montre qu'il a le coude appuyé au sol. Et là, on va pouvoir faire quelques plis. On va faire un poil plus épais là quand même. Voilà, ça sera plus joli comme ça. Voilà, d'accord? Et puis là, quelques vagues, pareil, hein, pour montrer qu'il y a des plis à cet endroit-là. Alors, comme je disais à chaque fois, hein, au tout début de l'année, je disais généralement, si vous avez des modèles à prendre, des référents au niveau du manga et des proportions, l'animé de Naruto est plutôt bien fait. Au niveau des proportions, je tiens à dire que je suis plutôt surprise, hein, ils sont bien proportionné, que ce soit Naruto, Sakura, Sasuke, enfin tous ces personnages-là. Hein. Moi, je ne vous parle pas des personnages hors normes. Hein. Je vous parle vraiment des personnages les plus. Je vais peut-être faire sa bouche un poil plus grande. Ouais, je vais faire sa bouche un poil plus grande. Voilà. Donc, du coup, ils sont plutôt bien proportionnés. Donc, maintenant, je vais faire l'autre côté. D'accord. Hop. Donc, là, on a le dos. Et on va voir la manche qui va commencer là.
quand ça fait mal la main. Et donc là, on va avoir des plis. On a la manche qui est bien, bien lisse à cet endroit-là parce que ça tire. Alors là, c'est sur le sol, donc il n'y a quasiment pas de pli. On va peut-être en mettre un ou deux là. Et on va mettre la main. Voilà. Alors évidemment, il y a une déco que j'ai pas faite là, qu'on va pouvoir faire aussi. Bon, je fais ça en mode brouillon, hein. Normalement, ça devrait être mieux fait. Hein. Voilà. D'accord? Donc, une fois que j'en suis là, bah, il faut que je fasse la fermeture éclair. Voilà. Que je fasse la déco. Et là, je vais pouvoir faire le vêtement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La partie haute. OK? Alors maintenant, alors je ne vais pas faire la sacoche qu'il a derrière, hein, parce que sinon, il ne faut pas exagérer, hein, je ne suis pas finie. Et surtout que la sacoche, en fait, elle ne se voit quasiment pas. Alors, une fois qu'on en est là, on va faire le volume de la veste, on va finir la veste. Alors, pour cela, on va faire les plis qui vont suivre ce qu'on avait dessiné auparavant. Alors, pour info, la ceinture, c'est-à-dire que Naruto, en fait, sa veste, elle est comme ça, avec la fermeture qui est là. Et elle se ferme comme ça en bas. D'accord, avec de la déco. Voilà. Cette partie qui est là, elle ne se voit pas. Elle est en dessous. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de la dessiner. On va directement passer au pantalon. Alors, pantalon, on va faire des plis. Et là, on va faire la poche.
ainsi que le pli de la couture. Hop, et puis là, je vais continuer. Vous avez vu les jolis arrondis que j'ai fait là? Ce sont ces arrondis qui vont indiquer qu'il y a un raccourci. D'accord? Tout le long de cette jambe, ce sont ces arrondis qui vont indiquer qu'il y a un raccourci. OK? Je vais faire l'autre jambe pour que je puisse après terminer celle-là, vu que celle-là, elle passe devant. Donc pour cela, hop, je fais un peu plus épais, vu que le pantalon est un peu plus large que ses jambes. D'accord? Et surtout, faites attention au sens. Au sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de profil, est-ce que la jambe, elle fait comme ça ou est-ce que la jambe, elle fait comme ça? Ben, les deux sont viables. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais très bien faire comme ça. Mais je pourrais très bien faire comme ça. Les deux sont viables. Alors moi, je vais vous donner une indication. Alors évidemment, le pantalon de Naruto est beaucoup plus court que ça. Il n'arrive pas au niveau de la cheville. Il arrive plus haut parce qu'après, il y a les chaussures. Alors, on va le faire arriver plus haut. Voilà. On va faire arriver là. Et pareil pour celui-là. J'avais oublié qu'il y avait les chaussures. Voilà. Ensuite, il y a les jambes. Et il y a la chaussure. Alors, la chaussure. C'est parti, on va d'abord faire celle-là. Sais, j'avais pas pensé aux chaussures. Voilà, ensuite, on fait le talon. Alors que je ne me plante pas, parce que ce n'est pas ça du tout. Voilà, le talon est là. Voilà, c'est... Il y a un petit talon sur ses chaussures. Alors, c'est des chaussures crantées. C'est des chaussures, en fait, les semelles, elles font comme ça. Mais je vais simplifier, d'accord? Parce que sinon, on n'a pas fini.
Voilà, et là, pareil là. Ah, c'est plus simple, hein. Voilà. Vous avez votre Naruto. On fait en 2-6, hein. Donc voilà, OK? Donc, je vais vous laisser 2-3 minutes, hein, et ensuite, bah, ça sera bon pour ce cours-là. Alors, la semaine prochaine, on va réaliser. Tiens, c'est qui le troisième? Ah, d'accord. OK. Alors, du coup, pour ce cours-là, c'est terminé, d'accord? Donc, avant que vous partiez comme des voleurs, mort de rire, la semaine prochaine, on va changer de chapitre, d'accord? On va s'occuper des objets, d'accord? On va essayer de dessiner deux, trois petits objets pour que vous puissiez dessiner. Alors, ça peut être des objets comme une tasse, ça peut être des rochers, ça peut être un peu de nature, ça peut être, voilà, ça peut être différentes choses. On va faire deux cours là-dessus pour que vous puissiez dessiner autre chose que du personnage et du personnage et du personnage, d'accord? Et ensuite, on attaquera le gros du gros, c'est-à-dire qu'on va attaquer la réalisation d'un. On va faire l'ancrage, pardon, et la mise en couleur. Et à partir de là, ensuite, on attaquera le gros du gros sur qu'est-ce qu'un manga à proprement parler et les codes pour réaliser des pages de manga. Donc voilà. Mais on a encore un petit peu de temps avant d'attaquer cette dernière grosse partie sur l'anime. OK? Donc voilà, c'est tout. Donc je vais, je vous dis au revoir tous. Hein, voilà. Je vous fais de gros bisous. Protégez-vous bien, hein, si on veut, comme dit le gouvernement, des allègements, des restrictions vers la mi-avril. Il faut continuer à être sérieux. D'accord? Que ce soit vous ou moi. Hein. Voilà. Donc, je vous kiffe tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, le cours de demain, le cours de jeudi, c'est pose aussi de personnages assis allongés et ce n'est pas les mêmes. OK? Allez, je vous kiffe. Bisous, bisous. Bye.